de la radio-télévision JVA, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est le moment de l'émission d'évanouir. Et je pense que vous êtes suffisamment branchés sur la RTJVA pour écouter quelques conseils venant de cette association. Alors, nous passons par ici pour saluer tous ceux-là qui sont en train de nous voir à ce moment et ceux-là qui vraiment nous aident dans les conseils et autre chose, que Dieu les bénisse. Et nous profitons aussi de ce temps pour lancer un appel à tout un chacun, parce que de nos jours, nous voyons que tous ceux-là qui sont victimes des accidents, nous sommes presque à la rentrée et nous voulons aider certaines personnes dont les parents sont alités, ils sont présentement à l'hôpital. Et à défaut de soutien, nous voulons quand même leur porter un petit coup de main. À cet effet, nous demandons à ce que si vous êtes touché d'aider les enfants de ces victimes, vous pouvez vraiment appeler l'association d'Evanouer pour que nous puissions collecter des cahiers, des fournitures pour pouvoir aider ces enfants qui sont déshérités. Alors, à ce moment-ci, nous avons à nos côtés des invités de marque qui vont nous aider à vraiment connaître ou bien mieux expliquer notre thème qui s'intitule « Les comportements à risque des usagers de la circulation ». Alors, à ma droite, j'ai l'invité de marque, M. Saint-Éloi Pandam. Il est le directeur du Centre de formation des conducteurs professionnels. Il est aussi le président de l'association des auto-écoles agréées du Togo. Donc, sans plus tarder, alors, Monsieur Éloi, bonjour. Bonjour. Je pense que tout va bien. Ah, il n'était pas allumé. OK, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. OK. À ma gauche, j'ai M. Jean-Claude. C'est lui qui est le président de l'association d'Evanouer. Il est en même temps directeur de l'auto-école Adonaï. Alors, M. Zampo, bonjour. Bonjour, mon frère. Comment vous allez? Très bien. Moi aussi, je vais très bien. Ah, et la famille? Par la grâce. OK. Je pense que nous sommes là pour vous écouter sur notre thème. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre thème s'intitule « Les comportements à risque ». Parce qu'aujourd'hui, nous voyons sur nos routes vraiment pas mal de choses qui se passent et on se demande des fois, mais ceux-là, est-ce qu'ils connaissent la route vraiment? Et nous voyons aussi beaucoup d'accidents de circulation et des fois on se pose la question de savoir, est-ce que ce dernier est au volant? Alors, sans plus tarder, nous allons savoir ce qu'on appelle par comportement à risque. Alors, Monsieur Pandam, alors, c'est quoi les comportements à risque? Alors, pour moi, les comportements à risque, ce sont tout. Vous savez, la route a ses règles. Hein. Nous avons des règles de circulation qui régissent notre façon de circuler pour que la circulation soit fluide. Alors, les comportements à risque, c'est lorsque nous ne respectons pas ces règles-là. À savoir, nous avons des gens qui conduisent l'excès de vitesse, le non-respect des signalisations, la conduite agressive, tout ça, c'est des comportements à risque. Puisque sur la route, comme j'ai dit tantôt, nous avons des règles. Il n'y a rien sans règles.
Dès lors qu'on ne respecte pas ces règles, c'est des risques que nous, pour nous-mêmes et pour les autres usagers. Je n'ai même pas tout. Quand nous prenons la fatigue, quelqu'un qui se fatigue, même la fatigue au volant, c'est un comportement à risque, puisque tu n'es plus toi-même sur la route. Ah bon? La fatigue aussi? Bien sûr, bien sûr. L'excès de fatigue s'apparente aussi. Si vous prenez déjà que l'ivresse, la conduite en ivresse fait partie d'un comportement à risque. Quand on est fatigué aussi au volant, trop fatigué, ça s'apparente à prendre un ou deux verres aussi. La conduite agressive, tout ça, il y en a énormément. Ok, merci monsieur. Et je tourne vers monsieur Zanko pour savoir ce qu'est le comportement à risque. Alors, merci de nous avoir donné la parole. Je pense que le plateau est bien garni. Oui. Alors, je souhaite vraiment bonne arrivée à mon président. Merci. Nous sommes deux présidents. Quand il y a deux présidents, ça fait deux présidents. Quand il y a deux présidents qui s'est exprimé. Non, tous sont présidents. Alors, merci aux téléspectateurs et spectatrices qui nous regardent en ce moment. Vous allez voir que le décor a changé et c'est très important. Alors, les comportements à risque. Puisque sur la route, nous avons. Nous observons vraiment des dérives. Et ces dérives vont à l'encontre de la sécurité routière. Donc, tout ce qui concourt à mettre en défaut tout ce que nous devons faire. Hein, nous pouvons dire que c'est des comportements à risque. Il vient à peine de le dire. Quand on dit à un monsieur de porter sa ceinture, il dit non, que lui, ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il va faire sur la route. Donc, il risque de se cogner peut-être et sortir du véhicule. Donc, ces comportements à risque, ça nous amène aux accidents. Donc, je peux dire que dans deux ou trois phases, on peut citer ces comportements à risque. Ça peut toucher le conducteur ça peut toucher le véhicule, le véhicule roulant. Et ça peut concerner aussi la route. Ok, merci beaucoup. Dans ces trois compartiments, on peut trouver les comportements à risque. Je pense que de tout ce que vous venez de dire, si on comprend bien, quand on parle de comportement à risque, c'est... le fait qu'on néglige ou on ignore les règles de la circulation. Oui. Bon, maintenant, et qu'est-ce qui cause ces... Qu'est-ce qui nous amène à vivre ces comportements? Monsieur Panda. Alors, ce qui beaucoup nous amène à vivre, si je puis le dire, il y a d'abord le manque de formation et de sensibilisation. Parfois aussi notre milieu. C'est-à-dire que le milieu nous pousse à avoir... Vous savez, l'homme, il a toujours le courage de faire les mauvaises choses que les bonnes. Vous voyez? Et donc, nous, en tant que formateurs, si on va relever le point essentiel, c'est formation, sensibilisation. D'accord? Parce que, comme je dis, le milieu... nous pousse. Et après, c'est vrai qu'il faut quand même faire un clin d'œil. Et il y a aussi des moments où cela dépend de l'environnement. Vous voyez, quand on a déjà, nous ne devons pas dire, c'est vrai que nous faisons des efforts, nos routes, l'état des routes et tout ça. Mais en plus de ça, les gens font du zèle. Vous voyez, nous n'avons pas les plus, d'ailleurs même, si nous avions des plus belles routes, en réalité, mon collègue le sait et nous le disons très souvent, c'est vrai que nous avons des facteurs d'accident. Il y a trois facteurs, mais sincèrement, parmi ces trois facteurs, moi je dis toujours que c'est l'humain. C'est l'humain qui est à la base, à 100%. Moi je ne cherche même pas les autres machines et puis environnement. Parce que quand on parle de comportement, on ne peut pas le lier à la machine. On peut le lier à la machine aussi. Bon, c'est un comportement, c'est-à-dire, parlant de l'entretien, par exemple. C'est un comportement négligent, parce que vous êtes négligent.
Oui, c'est un comportement. Non, si je parle de lié au véhicule, si, c'est comme si oui. le véhicule si peut se véhicule, comporter oui, autrement. Sûr, non. Si mon véhicule oui. n'est pas bien entretenu, comme il dit, mm-hmm. et par exemple, je n'avais pas bien regardé mes plaquettes. Mes plaquettes avant de partir, les pneus avant de partir. Le niveau de sur Dieu. La route, qu'est-ce voilà. qui va se passer quand je vais freiner? Non, ce véhicule ne reprendra plus. Voilà, c'est le comportement de la machine en ce moment qui va m'amener à avoir un accident. Mais sincèrement, est-ce que c'est la ça source? Revient d'où alors? C'est l'origine, c'est où alors? C'est l'homme alors qui est à la base. Mais... Donc, c'est ça. Oui. Donc, c'est pour ça que je parlais de formation et puis parfois mauvais état des infrastructures et tout ça peut être. Mais malgré tout, si nous avions tout ça et que l'humain qui est au centre de tout est bien sensibilisé, je crois qu'on pourrait éviter. Au moins, ce sont les réelles causes. Ok, je tourne vers M. Adonai. Moi, à mon niveau, je vais essayer de compléter ce que vient de dire le président de l'UNETO en disant que vous disiez tantôt à savoir, ça vient d'où ? Oui. L'origine. Ça vient de l'environnement toujours. Je le comprends, ça vient de l'environnement. Et je vous dis, tout ce que nous voyons dans la vie de l'homme aujourd'hui, en ce qui concerne le non-respect des feux tricolores et consorts, prenons 5 personnes, 5 émigrants, allons en France, par exemple, les déposer en France, s'ils ne vont pas respecter le code de la route là-bas. S'ils ne vont pas respecter les feux tricolores. Contraints. À quoi ? À l'environnement, ce qui se passe là-bas. Oui. Voilà, c'est ça. Et l'environnement, dit-on, l'environnement, ça veut dire que c'est l'éducation même, depuis le bas âge que nous avons. Vous voyez, nous n'avons pas un programme bien défini aujourd'hui pour la sécurité routière au Togo. Je le dis, je le répète, nous n'avons pas un bon programme défini. Nous avons longtemps clamé en disant qu'on essaie de faire pas mal de choses, que c'est ça, mais il reste toujours à faire. Puisque déjà à 5 ans, un enfant de 5 ans, qu'est-ce qu'il connaît du cours de la route? Mais dans les autres pays, écoute, un enfant de 5 ans, il peut te dire que ça, la forme de tel panneau là, ça veut dire que ça fait partie de telle famille de signalisation. Oui, mais exactement. Par contre, mais chez nous, non. Pour aller à vélo dans les autres villes, dans les autres pays, j'allais dire, et on a le brevet de sécurité routière. Mm-hmm. C'est un test qu'il faut passer, c'est-à-dire au niveau du primaire déjà. Le petit qui a 9 ans, déjà 10 ans, il a eu un aperçu général, c'est-à-dire quand même de tout ce qui est comme rudiment du cours de la route. Et là, quand il grandit... Ça devient des réflexes. Mais par contre, nous... Ça veut dire que ça émane du manque de l'instruction. Oui, quand on parlait de l'instruction, puisque j'ai dit la sensibilisation et la formation. Vous savez, si on veut être plus véridique, comme il dit, l'environnement... Vous savez pourquoi, quand il parle de l'Europe et tout ça, alors, on prend le cas de chez nous. Vous savez, quand on veut faire une infrastructure routière, on regarde ceux à qui c'est adressé. C'est destiné, pardon. Vous prenez le Togo, sincèrement, quand nous prenons le Togo, nous avons, dans les usagers de la route, beaucoup plus d'usagers vulnérables, c'est-à-dire les cyclistes et les piétons. Ils ne sont pas couverts. Que les voitures et autres, sincèrement. Mm-hmm. Il y a, si je ne me trompe, il y a plus de 51% de Togolais qui vont à pied. C'est-à-dire, chaque jour, ils se déplacent peut-être à pied. Alors, est-ce que nous avons l'infrastructure adaptée? Nous faisons des routes, bien sûr, bien larges comme on le fait. Mais qu'est-ce qu'il fallait tenir en compte? Ceux-là qui vont à pied, d'où prévoir des trottoirs, prévoir des pistes et des pistes cyclables. Pour cette catégorie. Et bien, quand il y a ça, les gens se conforment. Moi, la première fois, j'allais prendre du carburant en Europe et j'arrive, je vois personne. Si tu le fais ici, les gens vont prendre le carburant et ça. C'est une manque d'éducation. Voilà. Et l'environnement dans lequel j'appuie, en effet, ce qu'il dit. Si nous avions tout ça et puis les sanctions suivent, ça deviendra un réflexe. Nous autres aussi. Ok, je pense que tout à l'heure nous allons suivre quelqu'un et à base de cela on va réfléchir à propos. Quel est l'incident que l'on a le plus petit à mes
si vous avez bien entendu, vous avez tripoté, vous avez tripoté, vous avez poussé. Mais ça me dit, il y a Ikaba, il y a Bokaba. Et il y a une influence de nos droits. Et créer na tito tito les abritant de circulation mais et un accident voilà et facteur veut que ma batte blanchi les pépé gamel le gogo reke mi akpo mi fofo mi dada mi novio au son en route na moi gogo toa a hadun encore on viré et les fika hadun kono le a visibilité en bagnono et là va pousser au la poudjou les fika on la poudjou loa et ba rien fofo voilà. Amado Globe, Nayon Maha, you, Tinkula, one way, each way, Amokurun Maha, Odo Abinya Jalo. Le Humesemia, a serpent blamen on Maha, you like to come here. Tout d'abord, Ano on Maha, Elanabe, on top, Susu de Waladidi, and Popo Aladidi, Donkan, Pofike, Ogwan, le Code d'Almbe, non Maha, et la Donzio. Nyon Amiato, me sentez en toujours. Et so Waha, non Wade. Que menyo na bia rekegbale ku khion me yena na sida gbajona ku he ganto re ka kengbanya ni e mo menyo no e fi ke mo munyo lo wa e gba pousser na mi be ko le éviter ndia no vio re ke so ngodo mo gbana e la te va lofa wa mi la po be le keke soye o me ke mi le doa gouvernement cha le ron e lo vire vire lenti ke va te so réduire ke accident e accident gbogbo to ko le jole mi agbo le togo me fi fi a ele ni il y a envie et mon temps autant on en a dit caca on va contrôler dans le compte d'argent il m'a dit bé gouvernement n'est déjà pas bas il va pas il y a mon coup à moi avec côté il veut autant de l'économie mon temps on a on l'a contrôlé et vous tombez à un nouveau côté on a contrôlé mon temps à pas si dans la vie. Bon, pour donner cette cause, elles sont d'abord diverses. D'accord. D'abord, l'excès de vitesse, c'est la principale cause. L'état du conducteur, c'est-à-dire la personne est ivre, donc il faut voir qu'il a moins d'attention. Donc, sans doute, il peut commettre facilement des accidents. Et aussi l'état du véhicule. Un véhicule dont le freinage, le système freinage est, disons, qui ne répond pas. Je ne pense pas que ce véhicule peut éviter l'accident au cas où il se trouve dans cet état-là. Et pour le mois de décembre, souvent, je ne sais pas. Depuis la naissance, bon, ce que moi, je constate, c'est que le mois de décembre, c'est un mois très mouvementé. C'est un mois très mouvementé, donc chacun se dit, il y a la fin de l'année, est-ce que, il y a aussi le stress, est-ce que je peux tenir jusqu'à la fin de l'année, bon je vais tenir, bon je, Dieu m'a gardé jusqu'ici, donc cette joie-là, pouvoir, parfois, ça anime des gens de sorte que ça déborde, je ne sais pas si voir. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui planifient leurs activités, c'est-à-dire, ils ont défini des limites, ou bien des objectifs. Le décembre, ça arrive, mais je n'ai pas encore fini. Il faut que je finisse. En fait, de part et d'autre, ces choses-là contribuent ou bien accentuent le risque d'accident sur une voie. En mois de décembre, conduire, ne comptez pas seulement sur toi-même. Il faut aussi penser à l'autre. Donc, ça nous invite à éviter l'excès de vitesse, c'est-à-dire réduire la vitesse sur la voie, respecter les panneaux, et aussi, il faut que nos véhicules soient en bon état et évitons des boissons alcoolisées surtout. Sinon, ça, c'est des facteurs aggravants, donc les risques d'accident. Oui, voilà, nous sommes revenus sur le plateau et nous avions vu et entendu cela, et surtout l'alcool. Bon, est-ce que ça figure parmi les comportements à risque? Bien sûr, on l'a dit. Parce que, bon... Conduite en état d'ivresse, bien sûr, ça y figure. Qu'est-ce que je peux faire de mieux que si je bois et je fais des bêtises sur la route et que c'est pas des risques? C'est des risques. Pas pour moi seul, mais pour tout le monde. Qu'en dites-vous, monsieur? Non, ça c'est normal. En fait, c'est clair et net que... c'est interdit, prohibé
quand vous voulez conduire, il faut s'abstenir de boire. Mais ce n'est pas les occupants. Ceux qui sont à l'intérieur, ils peuvent boire. Il n'y a pas de souci. Mais celui qui doit prendre le volant... Lui ne boit pas. Lui ne doit pas boire. Sinon, et il ben, risque de foutre la vie des autres. Non, au fait, si vraiment c'est ton boulot, tu veux en faire vraiment ton boulot, il y a des règles qu'il faut respecter, c'est fini. On dit, avant de prendre le volant, c'est interdit. Pour quelle raison? Il y a des raisons qui sont là. Parce que quand vous prenez l'alcool, c'est le premier aliment qui va directement dans le sang. Quand ça part dans le sang, directement... Oui, parce que le son d'absorption est très, très facile. Très, très facile. Bon, ça va au niveau du cerveau. Mais ça tient le cerveau. Il dit au cerveau, monsieur, c'est ce que tu dois faire. Ce n'est plus toi qui agis, mais c'est les effets de l'alcool qu'on voit à l'extérieur. Vous voyez? Et tu ne te contrôles plus. Alors que c'est toi qui as la commande, tu as la sécurité, tu as le bouclier pour tous tes occupants. Bon, alors, tu deviens, c'est-à-dire tout le monde devient vulnérable là-bas, c'est-à-dire que tu exposes tout le monde. D'où on dit de ne pas boire. Ce n'est pas un souci. Tu peux arriver à la maison et puis tu prends ton temps, tu bois. Tu peux même nager, même tout vomir, il n'y a pas de souci. Mais en étant conducteur sur la route publique, on dit de ne pas boire. Est-ce qu'en gros, c'est un problème là-bas? Bon, est-ce que ce comportement est sans conséquence? Oh. C'est une question qu'on ne devrait même plus. Y a-t-il des actes sans conséquence? Sans conséquence. Même si c'est positif, il y a des conséquences. Alors qu'ici, c'est dramatique. C'est dramatique, puisque mon collègue l'a dit. Quand on boit, c'est un film qu'on se fait, on croit que c'est nous qui... D'ailleurs, on l'a souvent vu. Quelqu'un qui a bu, il se bat avec l'autre, tu vois qu'il partage des coups de poing ailleurs. Ouais. Il est intéressé, même toi, tu le vois. Mmh. Mais c'est le film qu'il a en lui. Il peut voir deux personnes. Une personne, il dit, c'est deux, hein, je les vois, moi, je vais t'éviter. Mais quand il dit éviter, il va vers la vraie personne. En cherchant à éviter l'un, il prend l'autre. Ah ben oui. L'autre, c'est un mirage d'ailleurs. Et il évite le mirage et il va vers le réel. Le réel. Et on peut parler de nos risques. Exactement, c'est ça le truc. C'est plus dramatique d'ailleurs. Quand on boit, ce qui est vraiment bizarre, je l'ai écouté, ce qui est bizarre que je ne comprends pas mes frères, j'ai l'impression qu'ils ne se comptent pas parmi. C'est-à-dire que, je ne sais pas, tu es dans un véhicule. Quand il y a un accident, tu pars, tu te dis toi-même. Et moi, je pose souvent la question, quand on a un accident, est-ce qu'il y a un moment où on dit, OK, le chauffeur n'est plus. Que fait le propriétaire de la voiture? Lui, il change. Si son véhicule est toujours bon, il change de conducteur. Dans les deux minutes après, il change de conducteur. Mais toi, c'est là où les gens devraient réfléchir. Qui te change auprès de ta famille? Personne ne peut te changer. Oui, puisque nous disons, et c'est ça qu'on ne comprend pas, on essaie de leur faire comprendre. Vous savez, quand nous sortons et sur la route, nous croisons au même moment, c'est que nous avons le même problème. Ça veut dire quoi? Nous allons tous pour chercher à manger pour nos enfants. C'est ce qui fait qu'on s'est rencontrés là, au même endroit. Et moi je dis, un chien ne peut pas manger le chien. Vous comprenez? Donc on va pour chercher à manger et on crée plus de problèmes que plutôt chercher à manger. Comme il a dit, si tu es chez toi, tu peux faire une piscine d'alcool, hein? Tu reviens, boum, personne ne te dit rien. Mais sur la voie publique, comme il a dit, mais c'est pas pour, on a dit quoi? Public. Ça veut dire que tu n'es pas seul sur cette voie. Et tu prends des risques pour quelqu'un qui n'a même pas demandé. Un innocent type qui est dans ton véhicule, tout ce qu'il a demandé, c'est prendre ton véhicule. Et d'ailleurs, c'est toi qui as proposé ce service. Il vient, il prend ce service pour se rendre chez lui ou bien à son boulot. Toi, inconscient, tu bois. Et puis tu exposes toute une famille, tout un village. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Par rapport aux interviews que nous venons de voir, un monsieur qui disait que les deux roues ont pris la part du gâteau, puisque c'est eux qui partent, c'est qui meurent plus. Effectivement, selon nos statistiques des accidents. Que cela soit le nombre des cas d'accidents, comme le nombre des blessés. Les blessés, des morts, tout, c'est les deux. Les deux roues. Champions. Ils sont champions. On ne peut pas dire en faisant des statistiques, soit
Je compare un inventaire, dit que quelqu'un est champion, en a... ce n'est pas possible. C'est, écoutez, c'est bon à dire. Mais on est obligé de le dire. Quand quelqu'un occupe le premier rang, qu'est-ce qu'on dit? D'accord. Et pour quelle raison? C'est une manque de conscience. Ces messieurs-là, je ne sais pas comment le dire. C'est le poids social de ces accidents. Un monsieur qui part de la maison, c'est comme pour lui, il n'y a plus d'espoir. Alors que nous sortons, comme le confrère vient de le dire, nous sortons pour le boulot, c'est-à-dire pour le petit pain. Lui, pour lui, peut-être il peut aller, le retour, ce n'est pas forcé. Bon, on dirait que ceux-là sont déjà morts, ce sont des morts ambulants. Alors, alors ça revient maintenant au rôle régalien de l'État. Oui, c'est là où l'État, je voudrais... L'État devait quand même intervenir, en ce qui concerne, c'est-à-dire la professionnalisation de ce secteur. Beaucoup. C'est très important. Avant d'en arriver là, M. Eloi a parlé tout à l'heure de la fatigue, et ce qui m'a paru étrange. Mais dans l'interview, celui qui vient de parler, nous avions vu qu'il a parlé de la fatigue. Que lui aussi, un jour, il a fait plusieurs voyages sur Cotonou, et au cours d'un, il a failli vraiment foutre sa vie en l'air. À cause de la fatigue. Ça, c'est normal. Écoutez, quand nous parlons de la fatigue, je pense que le confrère va renchérir après. Et c'est primordial. Quand on parle de 24 heures, c'est-à-dire qu'il faut 8 heures de temps de travail, 8 heures de temps de repos et 8 heures de temps de sommeil. Mais d'autres disent non, ils vont faire 4 heures de sommeil et les 18 heures, ils prennent ça pour blotter, c'est-à-dire pour fonctionner. Mais ils ne sont pas des robots. Même les robots, moi, ils ont un temps de fonctionnement. Mais écoutez, ce n'est pas possible de le faire. Quand vous pensez qu'en le faisant ainsi, vous aurez plus de gains, vous vous trompez. Vous vous détruisez. Et là, d'abord, vous n'allez pas bien vivre. C'est-à-dire, vous n'irez nulle part. Donc, qui fait que c'est un conseil qu'il faut donner aux uns aux autres, ceux qui nous regardent à la télé, que c'est très important de voir son état de santé avant de fonctionner. Si nous le faisons... Même tout à l'heure, ouais. Sur nos images, nous avions vu plusieurs morts. Ah ben, éparpillés comme des marchandises. Voilà. Les hommes, disons... Et là, par exemple, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut pour éviter de ce genre de choses, monsieur? Oui, il faut d'abord, comme il l'a dit, une prise de conscience. C'est vrai qu'on peut accuser tous les gens, mais nous sommes aussi responsables quelque part. Il faut une prise de conscience. Il faut, comme on l'a dit, si tu es là, ça ne suffit pas. C'est quand tu es mort que ça va suffire. C'est-à-dire à la maison, tu es là, tu te débrouilles pour ramener et tu te plains que ça ne suffit pas. Alors ton avis, c'est quand tu ne seras plus là. Non, le peu que tu ramènes, ça disparaît. Voilà. Non. Et maintenant, le poids. C'est une forme de lâcheté. Mm-hmm. Vous comprenez? Pour des gens qui agissent comme ça, c'est une forme de lâcheté. Alors, il faut en un temps, avant que l'État, comme il l'a dit, c'est vrai que nous avons tous des responsabilités. C'est comme je suis un père de famille. Mm-hmm. Ce que mon enfant fait, ça m'incombe, sincèrement. Si je dis c'est mon enfant, non, c'est faux. L'État, c'est notre papa, alors. Voyez ce secteur. Ce secteur de catégorie vulnérable dont on a parlé, ils sont laissés à eux-mêmes. Il faut qu'on dise ça. Ils sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas, il l'a dit tout à l'heure, il faut une formation intense, pas moins, puisque c'est ils sont vulnérables. Rien ne les protège. D'ailleurs, ils n'ont pas leur voix sur nos routes. Pire encore. Et ces gens ne reçoivent pas la formation. Vous savez, on est ici, on parle quoi? Français. Nous ne sommes pas des Français. Mais comme on s'entend, ça passe. Oui. Sur la route aussi, il y a un langage. Comme ici, notre langue officielle, c'est quoi? C'est le français. Le français. Si je parlais Moba, je parle Bassa, il y a longtemps, on ne va plus s'entendre. Jamais. Sur la route aussi, c'est pareil. Nous demandons, avant de dire tout, quoi que ce soit, il faut d'abord que l'État prennent en charge ces gens. Tous ces gens devraient rentrer dans de vrais centres de formation pour suivre un vrai programme. Pas des programmes, je m'excuse, ça ne rentre pas là-dedans. C'est 2 heures de temps. Il faut. Pas des programmes qu'on comporte. 2 heures de temps, c'est quoi? C'est pour lui montrer le klaxon
ou bien où on démarre la moto. Sincèrement, il faut que où on est des formateurs, où on est des déformateurs. Mais monsieur Eloi, monsieur Eloi, si nous venons à la réalité aujourd'hui, et on, bon, le gars a soulevé la partie des motos, surtout, qui sont en tête. Et ce que vous êtes en train de dire concernant le volume horaire, c'est-à-dire la formation, la formation, combien de temps? Mais aujourd'hui, nous voyons des formations de 2 jours, des formations de, bon, de 6 heures. Et puis après ça, c'est que c'est là, justement, ils obtiennent le permis de conduire. Qu'en dites-vous? Surtout en tant que président de... Oui, c'est là justement que le bas blesse. Vous voyez? C'est là où nous sommes nous-mêmes, parce que nous sommes des formateurs. Et c'est là où je dis clairement que l'État a failli, et sincèrement. L'État a failli dans la mesure où ce n'est pas possible. Vous savez, apprendre à aller à moto, c'est plus difficile qu'apprendre à conduire une voiture. Hein. Oui, parce qu'il faut l'équilibre. Ok, il faut rassembler tout ça. Là. Nous voyons des gens qui quittent le champ parce qu'un oncle a acheté une moto ou quelqu'un. Il vient, il prend sa moto. Il n'a aucune notion des règles de circulation, ni du code. Puisque d'ailleurs, ici au Togo, les gens respectent le feu lorsqu'on voit un policier à côté du feu. Oui. Le feu n'a plus son importance. Il faut qu'on ramène ça. Et ramener ça, c'est quoi? C'est donner une formation nécessaire à ce type qu'il comprenne ce que c'est que les feux tricolores. Vous comprenez? Ce n'est pas pour orner la route. Oui. C'est pas pour orner la circulation. Il y a des gens même d'ailleurs qui pensent que tous les marquages sur les routes c'est fait pour orner la route. C'est pas possible. Oui, il y a des gens qui viennent vers nous. Non, fait des gens qui viennent vers nous comme ça. Il y a des gens qui viennent à un passage piéton, ils ne cèdent pas. Et il n'est même pas loin de donner un coup à un piéton qui voulait passer. Ah ben oui. Et donc pour moi, je pense que il faut d'abord que l'État est en train de faire des efforts dans sa réforme du sous-secteur du transport. Je crois vraiment qu'il va falloir rassembler, composer avec les formateurs pour concorder un bon programme. Sinon, tout ce que nous sommes en train de faire, ça ne donnera pas. Sincèrement, ça ne donnera pas parce que on a beau nous donner des belles routes. Si tu ne sais pas comment on utilise une belle route, cette belle route ne servira à rien. Alors, ces formations fantaisiste de 2 heures ou quoi, sincèrement, et surtout que après ces formations, ces gens obtiennent le permis. Comment vous voulez qu'il aille maintenant dans un centre qui veut donner une bonne formation et il va écouter le centre? Il va te dire oui, mais l'État même nous donne 2 heures, toi, c'est que non, c'est pas possible. Une formation ne peut être, surtout dans notre contexte, si on n'atteint pas un volume de 40 heures. 40 heures, valider, on ne peut jamais valider. Alors qu'on n'a même pas un minimum de prérequis qu'on pouvait avoir à l'école. Donc, voilà. Ok, tout à l'heure, vous aviez dit, soulevé dans vos propos la sensibilisation. Alors, Adolin, qu'est-ce que vous mettez dans cette sensibilisation? Bon, en fait, sensibilisation. Moi, je me dis que la base n'y est pas. Il faut le dire, hein, la base n'y est pas. Bah, tous ceux qui sont au niveau de la société civile aujourd'hui, qui militent quand même pour la sécurité sur nos routes, exemple des Vanuets, il est là. Voilà, et le centre de formation, il est là. Il y a d'autres aussi. Mais où nous trouvons ces moyens-là d'aller sur le terrain? C'est le grand problème. Où nous trouvons ces moyens d'aller sur le terrain et sensibiliser les gens? D'abord, derrière une victime, il y a des victimes. Beaucoup, tout un village. Tout un village. Je pense que ce secteur des transports routiers, vraiment, c'est un ministère qu'on devait vraiment, c'est pas. Il faut des gens à la place, il faut. Je ne dis pas que ceux qui sont actuellement là ne peuvent rien faire, mais il faut avoir cette volonté politique-là, hein, d'accompagner le peuple. Parce que tout le monde emprunte la route, tout le monde. Si tu es un être humain, tu dois emprunter la route. Même les animaux. Les animaux. Le je me limite au niveau des... C'est parce que les arbres ne marchent pas, oui, sinon eux aussi. C'est toi qui le dis. On ne sait jamais, voilà. Vous voyez avec moi. Il y a une étude qui l'a dit. Donc il faudrait que chacun à sa place puisse jouer son rôle.
Ça, c'est, sinon, c'est normal. Quand vous passez tantôt de formation, mais écoutez, ce n'est pas nous, en tant que formateurs, excusez-moi de parler de formation même. C'est au niveau de l'État, l'État qui doit corser. Le système est vraiment verrouillé, qui nous oblige à vraiment faire une bonne formation. Il n'y a pas... Il y a pas, tu ne peux pas faire autrement. Nous sommes venus ici, il y a une seule porte. Voilà. C'est la porte, ça. Si tu ne passes pas par la porte, que feras-tu? Que tu vas faire? Tu ne pourras pas rentrer. Pas, c'est ça. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs portes. Ah ben, alors là, c'est même est-ce qu'il y a une porte? C'est pas clôturé. Alors tu ne peux pas dire que tu es rentré par la mauvaise porte. Non, c'est pas clôturé. Sincèrement, ce qu'il dit, vais dans le même sens. Vous savez, il a dit quelque chose, la base. C'est pour ça qu'au début, j'avais dit formation et sensibilisation. Quelqu'un qui n'a pas la base. Il va le sensibiliser sur quoi? Sur quoi? Vous voyez, et d'ailleurs, nous cachons beaucoup dans notre secteur là, beaucoup de secrets, ce qui fait que ça ne marche pas. Les gens qui ont les moyens, qui devraient aider, il a parlé, il y a le problème des moyens, d'accord? Les gens qui ont les moyens, qui devraient, au lieu de s'associer des personnes, ressources, pour cette sensibilisation, il nous arrive, chez nous ici, on sensibilise le temps de décembre, et il nous arrive de voir des gens... Mais c'est pas une sensibilisation. Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent avec ta pancarte, puisqu'ils ne savaient même pas ce qu'on appelle panneau? Et toi, tu viens, tu dis panneau de danger, ça bête le gars, qu'est-ce qu'il veut? Tu veux qu'ils comprennent quoi? Et c'est ça qui se répète. Vous savez, nous avons dit lors de, en tant que président de l'Union des auto-écoles agréées du Togo, nous avons soulevé ce problème lors d'un séminaire. Vous savez, l'État, comme il l'a dit, il y a tous les moyens à faire. Vous savez, il y a des transporteurs qui ont besoin de la main-d'œuvre qualifiée. Si l'État veut, l'État peut faire un programme pour avoir 1% même de tout transporteur et faire un bon programme de formation. Vous comprenez? Oui. Nous avons, je prends l'ANPE par exemple. L'ANPE, l'État a fait des efforts pour dire, ok, nous allons aider les gens à les mettre à l'emploi. Mais non, le problème aurait été plutôt d'aider les gens à se former, que de dire tu t'es formé, puisque d'ailleurs les employeurs se plaignent. Quand ils ont ces jeunes-là, ils se rendent compte que ces jeunes ne sont pas qualifiés. Ils ne sont pas à la hauteur de la tâche. Ils ne sont pas à la hauteur et l'employeur ne veut pas lui donner une formation externe parce qu'il se dit, dès lors que je lui donne cette formation, la concurrence va le piquer. Alors qu'est-ce que l'État devrait faire? L'État devrait plutôt dire, ok, nous allons prendre de l'argent, vous, les employeurs, donnez-nous au moins peut-être 1%. D'accord? L'État met les jeunes qui veulent une formation de qualité, paye cette formation pour ces jeunes-là. Sur le marché, on aura des gens qualifiés. Alors, pour faire vite, aujourd'hui, vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire. Pour ceux qui sont déjà là-dedans, puisqu'il a dit la plupart, il faut qu'on le dise, nous ne conduisons pas, nous déplaçons des véhicules. C'est différent. Conduire, déplacer les véhicules, ce n'est pas pareil. Donc il y a plusieurs déplaceurs. Non, on déplace les véhicules, il faut qu'on le dise. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord ceux-là qui sont déjà là, corser des formations continues. D'accord? Il a parlé de prévention, il n'y a plus de prévention routière. Il faut le remettre, même dès le bas âge, pour que les jeunes qui vont venir là, que ce soit maintenant un réflexe, ils savent tout. Demain, on va changer tout le système. Voici ce que nous avons à dire et nous sommes prêts. Donc l'Union s'est mise en place, c'est justement pour ça. Pour qu'on regarde des fois, parfois certains pensent que nous sommes contre eux. Non, nous ne sommes pas. Pour le développement de notre nation, nous sommes obligés de nous mettre ensemble et de dire ce qui ne va pas pour que nous nous développions. Vous comprenez? Oui. La sécurité routière, c'est un problème sociétal qui devrait être partagé. C'est clair. Je peux savoir conduire, quelqu'un d'autre ne sait pas conduire, il me prend. Donc c'est bénéfique pour moi que nous tous nous sachions conduire. Donc il faut que l'État nous écoute. Ce n'est pas que nous partons en grève ou bien en rebelle ou bien en fronde. Non, nous voudrons plutôt que demain, chacun soit bien. Nous avons beaucoup à dire et je lance d'ailleurs cet appel que l'État nous convie à ce qu'ils font. L'UNEAETO est prêt à travailler, à l'accompagner. Avec ces nouvelles routes, nous avons du potentiel au Togo, ne vous y trompez pas. Il ne faut pas que vous pensiez que toujours le potentiel se trouve ailleurs, alors que ça se trouve devant toi.
Non, approchez-nous. Nous ne disons pas que nous seuls dans notre union, mais les formateurs au Togo, ils ont du potentiel. C'est parce qu'on ne leur donne pas l'occasion de montrer ce qu'ils connaissent, ou ils savent. Donc c'est le mot que moi, en tant que président, je voudrais dire au nom de mes collègues. Ok, merci beaucoup. Monsieur Adonai. Oui. Et je pense que... Vous parlez tantôt de... quels sont les remèdes? Oui, les remèdes. En fait, il vient de dire pas mal de choses, ça dit qu'ils m'ont vraiment intéressé, et c'est normal. C'est normal dans ce sens que aujourd'hui, moi j'aurais aimé que ce qui se faisait au niveau des statistiques des accidents, par exemple, au ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, c'est vraiment pédagogique. Les données. Ah ben oui, c'est vraiment pédagogique. Chaque 6 mois, on nous appelle pour une conférence de presse, et nous, on nous étale vraiment tout ce qui est passé dans les 6 mois, et le nombre de quoi que quoi. Et c'est vraiment, ça nous aide énormément. Mais depuis un certain temps, plus un an, je l'ai dit, on n'a plus ces retours. Voilà, rien. Hein? Bon, si les accidents ne se produisent pas, bon. Mon frère, qu'est-ce que tu dis? Au Togo, qu'est-ce que tu dis? Je t'envoie, ça dit, à la Traumato. Mm-hmm. Tu vas voir ce qui se passe là-bas. C'est vraiment dommage. Nous lançons un appel au ministère de la Sécurité et de la Protection Civile pour que ces gens de conférences de presse puissent quand même reprendre pour nous égayer un peu, c'est-à-dire nous pousser un peu dans nos sensibilisations. Alors, je m'en vais dire, au niveau de la route, la configuration de nos routes, il a dit, il y a un souci. Vous voyez? Il y a un souci. Nos belles routes, là. Écoutez, quand on parle de belles, là, donc c'est pas, quand la route est très vaste, ce n'est pas ça ce que nous voulons. Non, c'est parce que nous... Gomez Anguera, le contournement... Voilà. Je te donne un exemple très simple. La douane, c'est-à-dire douane Ségbé. Oui. Et on n'avait pas une bonne route avant. Oui. C'était vraiment une route vraiment... Et les gens criaient fatigués. Il y a plus d'accidents. Il y a plus d'accidents. Que quand la route... Elle n'était pas bonne. Même l'axe Lomé-Palimé. Il n'y avait pas d'accidents sur ce moment-là. Et le contournement. Et le contournement, je vous dis, c'est chaque jour. Non, avant-hier matin... Oui, oui. Je ne sais pas si tu... On est au courant, on nous a amené deux messieurs comme ça. Et ces corps sont restés pendant un long temps. Tant avant qu'on les ramasse. Oui, voilà. Et ce qui me surprend, c'est que même nous, vous savez, quand je sors et je vois un accident et je vois un attroupement, je me disais, c'est une bonne chose que les gens regardent. Parce que je me disais... Ça peut les servir. Non, c'est le contraire. Moi, je disais, pas d'impact. Nous aurons maintenant des accidents inédits. Faux. Faux. Ils reproduisent le même accident. Même accident. C'est triste. C'est ça. Donc, la configuration de nos routes, on en a besoin, puisque, vous voyez, les passerelles, du moins, je vais dire, nos passerelles actuellement que nous avons. Nous avons un problème assez facile là, puisque c'est fait pourquoi, en fait, c'est bon de le faire, mais comment obliger ces piétons-là à emprunter? Contrainte. Mm-hmm. Ces piétons-là à emprunter ces passerelles. Mm-hmm. C'est encore un problème, un souci. Mm-hmm. Vous voyez? Donc, l'éducation routière, on en a besoin vraiment. Voilà, Devanien fait son boulot, parce que nous sommes sur 4 médias chaque semaine. Bon, sur 4 médias d'Evanuel, nous sommes sur Radio Victoire FM, Radio Pyramide, Radio Évangile et la télévision ici, et sur les autres canaux aussi. Je pense que vous avez d'Evanuel, vous avez plusieurs aussi associations, même les policiers, les gendarmes, ils sensibilisent chaque matin, chaque soir. Non, ce n'est pas leur rôle. Il faut vous dire que ce n'est pas un rôle, en fait. Ils sont là pour c'est rôle. Suffisant. Qu'est-ce qui reste? Non, ce n'est pas. C'est que nous disons en fait, que la base est faussée. Donc, si on veut vraiment tout refaire, il faudrait que le ministère des Transports, il y a actuellement l'Office national de sécurité routière. À la base, il faut ça. Non, mais il n'y a pas, une direction actuellement qui s'occupe de la sécurité routière. On n'en a pas. On n'a pas une direction. Un enfant sans parents, nous n'avons pas une direction qui s'occupe de la sécurité routière. On s'en fout de ce qu'il fait. Est-ce qu'il a dormi à la maison? On s'en fout. Est-ce qu'il a dormi tout ce qui se passe sur nos routes. Mais les gens se cherchent avant de nous donner des données.
Ils se cherchent vraiment avant de nous la donner. Aujourd'hui, ça dit, vous voyez avec moi, bon, les programmes dont parle actuellement de M. Padam, c'est quoi? Un programme de formation. Qui doit l'établir? Ici, c'est l'association? C'est l'État. Et voilà. Et le programme de la catégorie A, c'est l'État. B, les autres catégories, c'est l'État. C'est la commission d'agrément, en principe, qui devait nous prendre tous ces programmes-là. Et nous sommes, en sommes-nous, jusqu'aujourd'hui. Ce que nous disons. Chacun fait comme il peut, comme il disait. Voilà, on se cherche. Même les formations, en tant que formateur, ce n'est pas harmonisé. Chacun a un programme comme il l'entend. C'est bon, vraiment... Ça veut dire que le Togo a du pain sur la planche. Non, en fait, non, dans notre secteur, nous sommes dans notre secteur. Dans notre secteur, ça reste beaucoup. C'est vrai, il reste beaucoup. Vous avez beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Voilà. Et aussi, nous constatons. Et un certain. Au fait, nous travaillons. L'individualisme aussi nous détruit. L'individualiste. Alors que d'évanouir, faire un bon truc, au lieu que moi, en tant que formateur, dans ce domaine, je puisse l'encourager ou bien apporter un plus, non. Bien au contraire, je vais aller commencer par saboter. Comment vous allez comprendre quelqu'un qui fait un pas devant? Deux pas en arrière pourrait arriver à sa destination. Il ne peut pas. Donc, ce qu'il a dit ici, il a parlé de la police qui ne fait. Non. Normalement, il y a trois ministères et deux ministères qui devraient travailler ensemble avec les formateurs. Normalement, d'ailleurs, l'État devrait mettre l'œil dans chaque forme, et ça dit dans chaque centre pouvoir. Et vous là, vous faites. Mais non, il n'y a pas. C'est pour ça que vous verrez des fois, il y a des gens qui ont le courage de passer des annonces pour dire qu'on fait une formation de 2 semaines, et non, de 5 jours. Comment? J'ai dit, deux jours. Une formation de 2 jours. C'est parce qu'on se dit qu'il n'y a pas d'encadrement. Ils se disent, oui, ben, l'autorité ne recule pas. Vous croyez que dans la santé, on peut faire ça? Il fut un temps, on a fermé des centres de santé. Vous pensez qu'on peut le faire? Mais en réalité, les formateurs en sécurité routière forme plus que l'université. Hein, ah oui, parce que chaque mois, il y a au moins en moyenne 5000 candidats qu'on va déverser. Et on ne prend pas au sérieux ce secteur-là. Et il y a tout un laisser-aller. Et après, on dit oui, on veut que atteindre l'objectif zéro accident. Mais ce n'est pas possible. Nous mettons plutôt les trucs qui concourent à plus d'accidents, puisque quand je ne donne pas de formation à quelqu'un, et j'accepte pour quand même qu'il ait... Quand tu demandes à quelqu'un, tu n'as pas bien conduit, il te dit, permis l'a signé. C'est fini. Tu as validé, c'est qui a validé ça. Parce que le type, son seul truc, c'est que il a permis l'a signé. Il a permis, et moi, c'est pas comme ça. Et je pense que c'est ce qui est fabriqué. En fait, actuellement. Ah ben oui, c'est ce que j'allais dire. Écoute, on a tout fait pour habituer la population à la chose, quoi. C'est-à-dire à cette médiocrité, à ce désordre. Que du moment quand vous allez chez X personne, c'est-à-dire on va chez M. Eloi qui dit je forme à tel prix, on ne discute même pas du fond du programme. Hein. On veut pas savoir le programme, non, mais c'est le PQ. C'est un problème d'argent qui est discutable. Bon, si on peut discuter de ça, non, il faut me faire un rabais, il faut... C'est toujours comme ça. Si toi, tu refuses... Tout à l'heure, quelqu'un est venu pour la moto. Quand je lui ai donné le prix, il dit non. Quelque part, on lui a dit 10 000. Ah ben voilà. Il y a déjà cette erreur, vous me permettez. D'ailleurs, j'aurais voulu, vous les médias, que vous accordiez aussi, il y a votre travail à faire. C'est de déceler ces associations ou ces groupements qui font et leur donner une audience pour qu'ils puissent s'exprimer. Vous savez, nous faisons des erreurs. Même sans nous consulter, même parfois l'État lui-même sort pour dire que la formation est à tel. C'est ça. Nous habituons l'intéressé, le bénéficiaire, nous le mettons en erreur. On ne peut pas donner une formation moto pour 15 000 francs. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit sincère. C'est pour ça que les gens se contentent, ils te donnent 2 coups. Et puis, de toutes les manières, celui à qui tu donnes, même il s'en fout. Lui, l'essentiel, c'est que tu lui dises... il a eu ça. Le truc qui s'est fait. Et puis, lui-même, il ne vérifie même pas si lui là. Hein. Et si tu lui dis, je vous assure, tu prends l'argent chez quelqu'un et tu lui dis, bon, c'est bon, tu es formé. Il va partir. Il l'a dit tout de suite. Il ne te demande pas quel est le contenu. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux me donner? Donner? Non. L'argent, là.
On ne peut pas dire qu'une formation professionnelle est chère, hein, sincèrement. Il a dit ici, il faut que nous ayons la culture de l'excellence et non de la médiocrité. Vous voyez? Ok. Le merci temps ne nous suffit pas, nous, effectivement, on vous demande de nous donner assez de temps pour qu'on explique et puis parler. C'est l'occasion de parler à l'État pour obtenir des Je pense que nous allons essayer de vous inviter pour les prochaines fois et parler surtout des motos, parce que nous sommes au temps où vraiment l'information pilule. Nous voulons voir et savoir ce qu'il faut connaître mieux, décanter l'information. Ok, votre mot de la fin. Alors, le mot de fin, je crois que c'est tout ce que nous avons dit jusqu'ici, hein. Ça ne peut pas avoir une fin. En fait, on ne peut pas arroser un jardin une fois et puis espérer obtenir. Ben, pour cette séance, ouais. Pour cette séance, le mot de fin, c'est le mot de début toujours. Ce que nous demandons, c'est ce que vous avez dit. Nous voudrions vraiment mettre l'accent. On peut en parler pendant un an, c'est pas trop. Sur la formation des motocyclistes. Moi, c'est ce que je demande, et c'est pour ça que je dis, je ne trouve pas de mot de fin. Si, c'est ce que je voudrais, que nous parlions beaucoup et qu'on parvienne, si nous parvenons à sortir ce problème, c'est fini, on a tout gagné. Parce que si l'un de tous ces usagers-là commence par se bien comporter, nous allons atteindre les autres. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Si tu parles à un motocycliste, il te dit que c'est le taximan. Le taximan dit qu'il faut qu'on arrange déjà un. Et celui qui est plus problématique, vous l'avez dit dans les stats ici, c'est les deux roues. Donnons-leur une bonne formation et nous demandons aux autorités de mettre l'accent sur ce programme-là. Moi, c'est mon mot. Merci, M. Panda. M. Adonai. Oui, en fait, nous avons ce comportement et qui a vraiment qui n'est pas bon, c'est que nous aimons trop ce qui est moins. Et quand vous aimez ce qui est moins, donc vous, en matière de PQ, vous obtenez toujours ce qui est moins en matière d'instruction. Et c'est normal. Mais moi, j'ai un slogan dans mon centre qui dit « Pour moins d'accidents, plus de formation. » Et un changement de comportement. Et dans tout ce que nous disons, c'est qu'il faut former la personne. Hein? Il faut former la personne. Ça lui donne plus de faculté vraiment à faire face aux accidents. Okay. Prochainement, on va se voir pour d'autres idées encore. Chers téléspectateurs, nous vous remercions. Et pour conclure, nous disons que nous avons beaucoup de comportements à risque sur nos routes. Et ces comportements nous amènent à beaucoup d'accidents. Et nous avons beaucoup de victimes sur nos routes. Et ceci est causé par l'homme qui est au centre de tout et aussi l'environnement avec le véhicule. Et suite à ça aussi, comme solution, il faudrait qu'il y ait la sensibilisation, la formation et aussi le rôle régalien de l'État pour que nous puissions arriver au bout, pour que ces comportements puissent cesser et que les accidents diminuent. Voilà là où nous sommes arrivés. Nous allons continuer pour la prochaine fois. Merci beaucoup et à bientôt.